il y a fort longtemps, par un jour très étrange, mon miroir attirait quelqu'un hors de son lit et a ouvert un passage donnant sur mon atelier. J'ignore si le miroir voulait être espiègle ou malveillant. Peut-être savait-il que ce drôle d'intrus avait un rôle à jouer dans mon projet. J'ajoutais la touche finale à ma dernière création. Un monde pour les choses qui avaient été oubliées. Satisfait du résultat, j'ai posé le pinceau magique et me suis retiré dans mes quartiers. Si j'avais su les événements qui allaient suivre, j'aurais tout mis sous clé. Peinture, pinceau et diluant. Ce qui se passait. Mais il était trop tard. Le monde que j'avais créé était ravagé. Un monde de désolation. Le mystérieux intrus avait disparu. Je n'ai pas appris son identité. Du moins, pas durant très très longtemps. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode découverte. Cette fois-ci, on est sur Epic Mickey Rebrus Shed. Bon, je sais pas si on dit comme ça, mais bon, vous avez compris l'enroule, les amis. C'est l'ancien Epic Mickey, pardon, qui est sorti sur Nintendo. Purée, je ne viens plus. Ah, Nintendo Wii, voilà, purée. Wouh, je suis dans le gaz. Donc, les amis. Il y a tellement eu de Nintendo comme de PlayStation ou comme de Xbox que je m'embrouille. Donc les amis, moi je dirais de partir tout de suite pour cet épisode. On se retrouve tout de suite après pour la suite de ces aventures. Bon les amis, on est sur PC. Ça va être le bordel les amis ce jeu. Moi je vous le dis.
l'avais joué un peu sur Nintendo Wii, il y a très longtemps. Et franchement, j'avais adoré. Et là, il a été mis au goût du jour, on va dire ça comme ça. On va dire que c'est un Master Bushred, je sais pas quoi, là, mais en fait, c'est du remastered, tout simplement, les amis. Pas du remake, mais du remastered. Bon, ça fait déjà une dizaine de minutes qu'il y a de la cinématique. C'est pas pour dire, mais j'ai envie de jouer, moi, j'ai envie de tester tout ça, bordel de neige. Le jeu est sorti sur toutes les consoles, les amis. Comme ça, vous savez. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais retirer mon cœur! Ça y est, il est énervé. Lâche-moi avec ton truc, ton crétin, là. On va dire qu'il s'est visé, Mickey. Franchement... Oh shit. C'est le monstre qu'on a créé, les amis. El Pinchonero. Il a peur, il a peur. Ah ouais. Tu commences à avoir peur aussi, Andouille. Quoi? Merde, il a fait quoi? Quel bourdal qu'il a fait. Bon alors, si je m'en rappelle bien, par ici, t'as du boulot. Manqué. Bon, je vais les voir là-bas vite, les amis, parce que... Par ici, Mickey. Ouais, t'inquiète, j'arrive. Bon, ça y est. Pas que ça à faire, hein, moi, bordel de neige. Nouvelle mission obtenue, ok. Par où dois-je, enduis-je? Non! Lâche-moi, andouille. Est-ce que c'est par ici que je dois aller? Non, c'était pas par là. Ça me dit pas où je dois aller. Peut-être de l'autre sens, alors, attends, voilà. Bon, question fluidité, voilà. C'est beaucoup mieux que l'ancien, les amis. Ça. Par ici, Mickey. Oui, j'arrive. Bon, dis-moi. On est en sécurité ici, Mickey. Tu peux endommager ce tableau de commande avec ton attaque tournoyante. Appuie sur croix pour utiliser ton attaque tournoyante. Ok, bon. Donc je dois péter le tableau de bord qui est là-bas. Quand tu auras détruit ce tableau de commande, viens t'occuper de celui-ci. T'inquiète frère, on va faire ça tout de suite. Je paffe le chien, vas-y. Alors maintenant je peux passer, si je ne m'abuse pas. Alors, c'est par là. Par contre, les amis, j'ai un truc à dire à quelqu'un qui m'a laissé un commentaire. J'ai pas répondu, mais il m'a dit si j'avais la maladie de Jean de la Tourette. J'ai été voir c'est quoi, c'est la maladie de la Tourette en fait, de spasme ou textuel quand je parle. Ben non, j'ai pas de maladie de la Tourette. Et il y a pas longtemps, j'ai fait toutes les analyses que je pouvais faire, IRM, scanner, mais pas pour ça, pour autre chose, mais bon. Ça a pris tout le corps, donc même le cerveau. Donc j'ai pas de maladie de ce genre-là. Merci de t'en préoccuper. Et que dire? J'ai rien contre les personnes qui ont la maladie, hein, les amis, parce que voilà, c'est des maladies que malheureusement on peut rien y faire. Mais à cette personne qui m'a écrit ce commentaire, franchement, non, j'ai pas de maladie de ce genre-là.
J'espère que toi aussi tu vas bien en tout cas. Bon, alors, on peut continuer. Du coup... Est-ce que je dois casser l'arbre? Je me porte très bien, vous inquiétez pas, pour ma santé. J'ai autre problème que ça, mais voilà, c'est pas vraiment des problèmes que je vais raconter ici. Regardez! Regardez. Regarde, en détruisant le bras mécanique, tu as révélé une pièce secrète. Oui, et si c'est parce que je ne sais pas lire beaucoup le français, enfin bien le français, c'est parce qu'en fait, ce n'est pas ma langue maternelle. Je suis italien, je suis en Italie. Je suis arrivé en Belgique il n'y a pas super longtemps. Et du coup, voilà, je parle 5 langues. Je parle le français, l'espagnol, l'italien, l'anglais. Et je suis en train d'apprendre l'allemand. Donc voilà, si maintenant j'ai des petits problèmes de lecture, ouais, parce que voilà... Malheureusement, c'est pas ma langue maternelle. Non, si je devrais lire en italien, ça serait tout simple. Mais bon, vu que j'aime mieux faire des vidéos en français, je continuerai en français. Voilà. Tu peux prendre un moment pour l'explorer, si tu le souhaites. T'inquiète, frère. On va aller voir ça tout de suite. Quand tu seras prêt, viens me voir et nous sortirons d'ici. T'inquiète, je vais aller voir ça tout de suite, parce que franchement, ici, je ne pense point que j'ai autre chose à faire. Ouais, parce que de toute manière, j'ai pas encore la peinture à ce que je peux voir. Bon, ça va, on va aller voir directement notre cher ami qui nous aide depuis longtemps. Ok. Pourquoi il parle pas? Ils auraient pu mettre un langage en langue française. T'inquiète, on va aller voir ça tout de suite. Ouais, je peux faire de la magie avec mon pinceau. Donc le jeu consiste à quoi, les amis? Le jeu consiste à se recréer par exemple des ponts, recréer des peintures avec le pinceau, ou bien les effacer aussi. Pour ceux qui connaisseraient pas le jeu, mais bon. Vu que c'est un jeu qui est sorti il y a déjà quelques années quand même. Eh ouais. On va s'exercer, les amis. Bon, alors. Après, rapidement, haut longuement sur LT pour utiliser du diluant. Après, rapidement ou longuement sur RT pour utiliser de la peinture. Donc, ça, c'est la peinture. Et ça, c'est le diluant. Ou c'est le contraire. Ça, c'est le diluant, si je ne m'abuse pas. Et ça, c'est la peinture. Est-ce que je dois viser là? Ok, là j'efface. Ok. Au bout de ce couloir se trouve la cour qui nous permettra de quitter le château de la Belle des Ténèbres. Ne t'inquiète pas, je serai toujours à tes côtés quand tu auras besoin d'aide, même si tu ne me vois pas. Ok. Donc là je dois construire. Attendez, je vais faire ça. Là, je prends. Là, je dois reconstruire. Je me rappelle que ce jeu était quand même vraiment pas mal, hein, franchement. Hein. Bon. Alors, apparemment, je peux pas reconstruire. Ah, bah oui, je peux. Vise cette. Engrenage dilué avec RS, puis appuie longuement sur RT pour le peindre. Ok. Du coup, je suppose que je dois tout reconstruire. Ah, ok. Je dois effacer et... refaire, ok. Ton pinceau, peut aussi diluer les objets dessinés. Comme cet encadrage de porte. Ça va. Vise l'encadrement avec le pinceau, puis appuie longuement sur LT pour l'atteindre avec du diluant. J'ai déjà fait ici. Ça me donne rien du tout. Bordel de merde. Allez, vas-y.
C'est bien beau de remplir le monde, Mickey, mais tu vas devoir diluer cet encadrement de porte si tu veux la passer. Hein, ok, je dois tout retirer. On va tout envoyer à la mort. Voilà. Donne-moi. Donc là, il n'y a plus rien. Là, il y a quelque chose. Dilution totale. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu peux utiliser du diluant sur le sol désigné pour un nain. Ok. Donc si je mets ça. Ah non, je dois diluer. N'oublie pas que dans le monde des Toons, tout ce qui est dilué peut réparaître avec un peu de peinture. Donc maintenant que j'ai tout fait tomber les pierres, je peux refaire le pont. Mais bien sûr. Là, je peux rien faire avec ça. Est-ce qu'il va déjà avoir un combat de boss, les amis? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le... Et il est aussi fort, le micro purée. J'espère que ça va pas faire de problème. Il faut passer par ce portail pour sortir. Ok, on va aller voir ce portail maudit, les amis. Apparemment, maintenant, ça va mieux. J'avais le micro qui était un peu trop fort. Premier combat, les amis. Prépare-toi à combattre. Utilise RS, ok. Lorsque tu vises... Il se transforme, là je dois effacer. Je suppose, si dans mes souvenirs sont bons, oui, voilà. Il faut combiner les deux en fait, tout simplement. S'il me touche, il va me retirer de l'énergie et je peux crever. Ok. Tout est compris, tout est compris, tout est compréhensible. Même un enfant de 5 ans comprendrait ce truc. Alors, bon, on va aller voir. S'il n'y a rien à faire. Ils sont où les ennemis? Regarde, c'est voyant, t'as vu, Mickey? Oui, j'ai vu, et alors? On dirait que le voyant a fait venir un ami. Oh merde. On va mettre la couleur. Mais allez, hein. Wow. C'est pas vrai. Ok, bon, maintenant, il faut que je le... Quoi, ils sont devenus gentils? Apparemment oui. Ils me dérangent plus. Mais toi va. Oh, si c'est quoi? Oh! Du voile, les amis. Quoi? C'est quoi ça? C'est un plateau à pression. Il s'abaisse quand tu marches dessus. Tu peux aussi faire s'abaisser les plaques de pression pour plus rapidement en appuyant sur L, sur Y lorsque tu es en l'air. Ok, on va aller voir ça. Du coup, ça me sert à quoi tout ça? Lance ton attaque tournoyante sur cet engrenage pour interagir avec lui. N'oublie pas que tu peux appuyer sur croix pour... Lancer une attaque tournante. Voilà. C'était pour quoi faire tout ça? C'est Calvin, le gremlin. Il sera tellement content de quitter cette cage. Il a l'air assez énervé pour détruire la catapulte. Quand tu verras d'autres gremlins, essaie de les aider. Ils deviendront sûrement tes amis. Ok, maintenant on va aller voir ce qu'il y a là-dedans avant.
Il y a un pourdal de trucs. Attention, Mickey. Ce coffre est posé sur une plaque de pression qui déclenchera cette catapulte si tu la déplaces. Un coffre à trésor a vraiment plus d'importance que, pour toi que la sécurité d'un gremlin. Alors, bah, tu sais quoi, je vais aller sauver le gremlin. Après, je vais voir si je peux... Voilà. Merci, Mickey. J'ai craint le pire quand le savant fou m'a installé sur cette chose. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Non! Mais t'es bien, c'est toi, mais laisse-la! Maintenant, plus personne ne sera en danger à cause d'elle. Prends cette broche d'or pour te remercier de m'avoir libéré. Ok. Merci. C'est dommage. Est-ce que je peux plus l'ouvrir? Non. Cocktail. Pas savoir ce qu'il y avait dedans. Mais bon. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a de la tunasse. Il y a de l'argentage. Tu dois utiliser ton attaque tournoyante pour deux engrenages différents pour ouvrir la sortie. Tu trouveras les engrenages sur ces balcons. Ah bah, merci de me l'avoir dit, mon très cher ami. Non, c'est ça. On va activer les gens, on va faire pousser les gens. Quoi, il dort lui? Bah ouais, on dirait qu'ils sont... Tu es de la façade. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux faire disparaître des blocs dessinés avec un. Si tu dois lancer du diluant sur quelque chose, appuie sur LT. Ben je sais tout ça, laisse-moi tranquille. Je sais ce que tu veux dire. Merci, c'est gentil. Qu'est-ce qu'il y a? Encore toi. C'est quoi ces trucs-là? Avouez qu'il est quand même stylé, les amis. Hein. Tu peux appuyer rapidement sur LT pour centrer la caméra. T'inquiète, je sais. Merci. Mon très cher ami. Comme toujours, dites-moi dans les commentaires si vous allez tester le jeu, les amis. Si vous allez y jouer. Bon, voilà. Premier. Tu as débloqué cet engrenage. Regarde, le portail s'ouvre. Plus qu'un engrenage est... on pourra passer. Tu trouveras des engrenages et des mécanismes aux quatre coins du monde de la désolation. Ils actionnent toutes sortes de machines. En les réparant, tu révéleras souvent des secrets ou des trésors. Merci de me l'avoir dit, mon très cher ami. Tu as pris quelque chose? Contenu supplémentaire débloqué. C'est gentil tout ça. Bordel à cordage. Tu peux courir, oui, je sais. Wow. Ah. Là, je peux pas. Non, je peux pas. Voilà. On efface sage, comme ça tout qui tombe, et on refait. En même temps, on repart tout le monde, en fait, en faisant ça. Bim, vas-y. Voilà pour le deuxième engrenage et un écran de projection. C'est notre ticket pour sortir du château. Allons voir ça de plus près. J'ai hâte de voir ça. On va voir ce qui se passe dans le bordel d'écran. Je suppose si je plonge d'ici, je crève, non? Bon, je vais quand même faire attention parce que j'ai pas envie de crevage. Vous avez pas pris, non? Ils sont encore réapparus. En fait, vous êtes pas obligé, les amis. Enfin, pour une partie, oui, mais vous êtes pas obligé à tout réparer. Mais c'est tellement, comment je peux dire, prenant ce truc de réparer les choses. En fait, ça va simplement vous faire passer le temps, tout le temps, de réparer, de casser, de schkafatser. Bon, je peux plonger d'ici, je pense. Je vais pas crever. Hein. Voilà.
On va aller voir le film, les amis. Walt Disney present à Mickey Mouse. Mickey and the Brewster. Alors, tu es prêt à entrer dans l'écran de projection? Ben bien sûr! En fait, on va aller dans le monde, les amis. On va voyager dans les dessins animés, dans les films dessins animés que a fait Mickey, bien sûr. Ok, moi, on va sauter. On va voir ce qui se passe. On va arriver où, les amis? Nouvelle mission obtenue. Retourne chez toi. Retourne chez toi, Andouille. Déjà, on va prendre ça. Et là, ça devient de la plateforme, les amis. Par contre, attendez. Comment vais-je faire ici? Comment je vais faire? Je vais faire quoi? Je sais pas quoi faire. J'ai même pas de magie, j'ai rien. Ah, peut-être... ok. Non, même pas. Oh, ho, ho. Je vous promets, je sais pas quoi faire. Il me dit rien. Il me dit pas quoi faire. Ok, appuyez deux fois, les amis. Ça fait une heure que j'appuie, mais non. Je faisais le con. Voilà. Qu'on comprend, c'est plus facile. Merde. Obtenu, nouvel objet obtenu, Mickey, un bricot de sa sœur. Le bricot de sa sœur. Bon bah soit. Je dois aller où en fait là? Non, c'est pas par ici. On va retourner par là. Il a bugué. Oh! Fait rire comme il gueule. Comme il crie. Oh! Mais là, j'étais, non? Mais bordel de neige! Je dois... Non, qu'est-ce que tu fais? Mais gars, j'avais oublié en fait que ça faisait ça. Hein. Tellement stylé. Par contre, j'allais par où? Par là? On va par où ici? Bien fort, hein, pour sauter. Bon, on est arrivé. Allez, vas-y. Tu peux te rendre au slalom. Allez, on va slalomer, les amis. Franchement, les amis, jusque maintenant, je le trouve vraiment comme à l'ancienne, mais beaucoup plus beau. Hein. Ça, oui, ça, graphiquement, oui. Et même fluide, hein, plus fluide qu'avant. Hein, parce qu'avant, il tournait à du 20, peut-être. Surtout sur Nintendo Wii, donc c'était un peu ancien, on va dire ça comme ça. Et c'est Tiestov, le Gremlin. Qu'est-ce que tu fais là, Tiestov? Salut Gus, cette porte a été sabotée. Il va falloir la réparer avec de la peinture.
Quelle porte impressionnante! On voit tout de suite qu'elle est l'œuvre du Gremlin. D'un Gremlin. Hey Mickey, comme tu peux utiliser de la peinture, qu'est-ce que tu dirais de peindre cet étrange... cet engrenage pour Tiestov. Allez, vas-y. Ça serait génial. Ça fait un moment que je travaille sur cet engrenage central. Alors, ne le casse pas, s'il te plaît. On va engrenager tout ça. Et de 1 et de 2. Il est très simpliste, hein, les amis. Hein, comme jeu. Génial, tu l'as réparé. Oh non, tu as vu ça? Cette vieille... vilaine créature est de la même famille que les voyants de tout à l'heure. Cette partie de tuyau a été diluée et laissée s'échapper de la vapeur. Ne t'approche pas de ce jet de vapeur. Tu seras projeté en arrière. Prépare ces tuyaux quand tu en vois un. Merci pour ton aide. Seul quelqu'un capable d'utiliser la peinture comme toi en aura été capable. On se retrouvera, j'en suis sûr. Réparer le tuyau. C'est bon, on a le réparé? Bah, bien sûr. Il est où là? Elle est où la vilaine voyante? Le revoilà, on devrait pouvoir aller de ce côté, mais regarde bien où tu mets les pieds. T'inquiète, j'avais vu. Voilà. Le jeu consiste à réparer, les amis. À réparer, à effacer, ça, comme je vous ai dit. Pas grand chose à retenir. Ah, des fois, moi, ça m'arrivait que je voulais aller tellement vite que je ne voyais pas les trucs sur le côté ou à terre parce que je devais réparer un truc et je me scaffatais la face en bas. Je me faisais écraser à chaque fois. Wow. Regarde où tu mets les pieds. Essaie d'effectuer un double saut pour atteindre cette plateforme. Pour effectuer un double saut, oui, je sais. Voilà. Mais non, hein, mais j'ai fait un double saut. C'est n'importe quoi. Bord de la corde. Bon. Ça va nous aider à prendre tout ce qu'il y a à prendre ici. Est-ce que... c'est ici que je... qu'est-ce qu'il fait, lui? Vas-y! Voilà, on est... on a réussi. Bon. Nous, on vient de là. Donc, on doit aller ici. Du coup... ouh, ça va bon. Hé, c'est censé se fermer uniquement en cas d'urgence. Serait-ce un piège? C'est bien un piège. Quelqu'un a refermé la porte et voilà qu'une petite tache s'est glissée à l'intérieur. On a eu la tache, les amis. Ils sont tous pétés morts, les gens. Vous avez bu ou quoi? C'est ce que je pensais. Les petites taches ne sont pas des créatures solitaires. Et les petites taches, fichez le camp où Mickey vous en fera voir de toutes les couleurs. Bon, il y a toujours un problème de problème. La sortie n'est toujours pas déverrouillée. C'est bon, elle est déverrouillée maintenant. Tiens, laisse-moi te dégager un passage jusqu'à cet objet à collectionner. Profites-en. Attends un peu, c'est Oswald. Tu crois que c'est lui qui a tendu un piège, ce piège? J'en sais rien, moi. Je connais même pas c'est qui Oswald. Je connais Oswaldo, le joueur de football, mais je connais pas Oswald, moi.
Faisons attention parce qu'ici, il me semble qu'il y a des pièges. Donc, les amis, moi, je pense qu'on a assez vu. Donc, moi, franchement, je le trouve comme avant, mais en beaucoup plus beau et en beaucoup plus fluide, tout simplement. Le jeu reste le même, c'est un remastered, c'est pas un remake. Donc, voilà, pour si vous êtes fan de ce genre de jeu, je vous le conseille. Pour ceux qui sont pas fans, l'achetez pas. Mais bon, ça, c'est un jeu que, franchement, il n'est pas très compliqué, donc c'est plus pour passer le temps, pour si on est fan de la licence de Mickey, de Disney et tout. Parce qu'on va voir un peu le monde de Mickey, un peu de monde à lui. Si je m'abuse pas, on va voyager même dans des films à lui, si, même des anciens, des plus récents qui sont sortis. Donc voilà les amis, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous êtes en train de jouer, si vous avez joué le jeu sur la Nintendo Switch il y a longtemps. Et Switch, sur la Nintendo Wii. Ouh là là, je me trompe tout le temps. Donc un grand merci les amis, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez ma vidéo, partagez ma chaîne, activez la cloche pour recevoir ma dernière vidéo. Un grand merci, on se retrouve très bientôt pour la continue de nos aventures en découverte. Allez, ciao ciao!